Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la fin du coloriage magique automne. Je suis morte aujourd'hui, j'en peux plus. Je n'ai fait que ça aujourd'hui, en loisir je vais dire, parce qu'aujourd'hui on a comme il fait beau, il y a un petit rayon de soleil, on a profité pour nettoyer la cour. Nous c'est une dalle de ciment dans la cour. Et tous les hivers, on ne sait pas pourquoi, mais bon, la dalle se transforme en un tapis de mousse verte. Et c'est une vraie galère. Alors du coup, là, on a profité de faire le karcher sur toute la cour. Et j'ai le dos en compote. Je suis claquée. On a fait chacun notre tour le karcher et le raclo pour faire toute cette cour. Elle n'est pas énorme, hein, mais bon. Mais il y a des endroits où il y avait bien 5 mm de mousse. Et à chaque fois, on regarde pour trouver un produit pour mettre sur la dalle. Mais on n'en trouve pas. Enfin, si, ça existe. Les produits existent. Mais alors soit que c'est des produits avec plein de trucs bizarres dedans, nocifs et tout. Donc pour les chiens, c'est impossible puisque les chiens vont dans la cour. Et j'ai même regardé déjà des produits écologiques. Même sur les produits écologiques, c'est noté sur le mode d'emploi que pendant 48 heures, il ne faut pas mettre les animaux. Là où on a 1000 produits, donc c'est vachement écologique, hein. Oui. Donc, même ces produits-là, c'est la cacaille. Donc, du coup, l'huile de coude, le karcher et le raclo, rien de tel. Mais bon, donc là, normalement, on devrait être tranquille pour un petit moment, mais c'est. C'est claquant, c'est usant. Demain, là, j'ai déjà mal dans mon dos, mais demain, on va se lever tous les deux. On va être là. On va être cassés en deux. Déjà que Chouchou, lui, a mal à son dos d'avance. Moi aussi, vous me direz. Moi, j'ai toujours le dos en miettes. Mais là, on a fait fort aujourd'hui. En plus, j'étais trempée avec le karcher. J'en avais partout. Le pantalon, les chaussettes, les. C'est noyé. Et là, heureusement, bon, le soleil est là. Du coup, ça a pu sécher. La dalle a pu sécher tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Donc, maintenant, quand on a renettoyé la table de jardin. C'est une table de jardin hein, qu'on met dans la cour avec les chaises, tout. Parce que c'est pareil, ça avait verdi. Et parce qu'on n'a pas de place pour le mettre à l'abri l'hiver. Et donc on a tout nettoyé aussi, ça. Comme ça, là, quand il commencera à faire vraiment beau, on pourra retourner dans la cour. Bon, on va pas sortir le barbecue tout de suite, hein, je vous le dis. Mais bon, déjà passer une petite heure ou deux dehors dans la cour, ça va faire du bien. Voilà, bon, tout ceci, je vous raconte ma vie. Tout ceci pour vous dire que, à part ça, je n'ai fait que la fin de mon coloriage aujourd'hui. Et puis, je suis triste parce que alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé une commande à Amazon hier. Ouais, je crois que c'est hier. Donc des bouquins pour Chouchou pour lui lire. Il lit les Maigret. Hein. Donc j'avais recommandé des Maigret pour lui. Et moi, je m'étais commandé un superbe livre de coloriage. Donc ça devait arriver aujourd'hui. Donc la livraison, elle se fait. Elle se fait. Je suivais sur mon téléphone. À un moment, j'avais la carte. Et je voyais qu'il n'était pas loin de chez moi. Mais je ne comprenais pas Le gars était en Belgique. C'est bizarre, hein. Je dis, qu'est-ce qu'il fout en Belgique?
parce que normalement, il n'y a rien à faire en Belgique. Parce que sur la carte, je voyais que la camionnette du livreur était en Belgique. Et bon, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Au bout d'une heure, la camionnette sur la carte, je voyais qu'elle n'avait toujours pas bougé. Elle était toujours en Belgique et au même endroit. Et au bout de 2 heures, ça n'avait toujours pas changé. Et puis à un moment, pouf, plus de carte sur Amazon, j'avais plus ma carte. Et j'ai eu un message, votre colis ne pourra pas être livré aujourd'hui. Ouais. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ce couillon est parti en Belgique, a profité qu'il était près de la Belgique pour aller acheter son tabac ou je sais pas, ou aller manger en Belgique une frite ou enfin bon, les restaurants de toute façon c'est fermé aussi, je crois, en Belgique. Donc je pense qu'il a dû seulement aller pour aller chercher son tabac et qu'il n'avait pas d'attestation, qu'il s'est fait pincer ou alors est-ce que j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il n'avait rien à faire en Belgique, le livreur. Parce que non, mais je sais qu'ils n'ont pas le droit de passer la frontière avec les colis. Donc là, j'ai appelé Amazon et j'attends. Donc, ils vont appeler la société de livraison pour qu'on puisse me livrer rapidement mon colis. Donc, bon, je croise les doigts. Peut-être demain. Sinon, bon, jeudi, bon, j'espère. Donc, sinon, jeudi, le gars d'Amazon va me retéléphoner pour savoir si j'ai reçu mon colis. Si je ne l'ai pas reçu, bah, il va m'en renvoyer un, hein, ou me rembourser, mais moi, non, je veux mon colis. Mais là, c'est mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que le livreur faisait en Belgique? Je ne sais pas. Donc, bon, on verra bien. Je vous tiendrai au courant, les filles. Bah, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le livre de Color. En espérant que je le reçois. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer le livre de coloriage que je me suis commandé. Et bah, du coup, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Il y a toujours des soucis avec les colis, mais alors. J'étais tranquille là, depuis un petit moment. J'étais tranquille. J'avais plus de problème avec les colis. Ça faisait un bon mois hein, que j'avais pas eu de soucis avec des colis. Et là, boum, ça recommence. Bon. On verra bien. Mais bon, cette histoire de voir le livreur sur la carte en Belgique, ça, je ne comprends pas. Mais bon. Soit. Vous vous en fichez, hein? Ah oui. Oui. Je suis sûre que vous vous en foutez. bon, allez. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous laisser visionner le reste de la vidéo, voir la fin de mon coloriage. Et demain sera du DP, hein? Ouais, demain je ferai du DP. Je vais continuer certainement le DP anglais. Voilà, je vais voir ce que je ferai. Je vais voir, je réfléchis. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Et j'attends vos commentaires comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Bon visionnage.